Pourquoi ce qui est simple devient si compliqué? À la base, il s'agit d'être tout simplement soi-même. Mais il s'avère que tout ce que l'on pense amène à croire qu'il faut être conforme à ce que la norme prescrit. Elle dicte ce que l'on doit être afin d'exister au regard du monde. On se forge ainsi l'image d'un soi valorisé pour paraître acceptable à ce qui est attendu de soi. C'est en s'identifiant à ce personnage, à travers lequel est joué le rôle mis en place par la volonté collective, qu'on oublie sa vraie nature. Seule une prise de conscience peut révéler l'enrôlement dans lequel on se ment à soi-même afin de correspondre à ce qui plaît et ainsi s'attirer de la reconnaissance. Toute cette activité, afin de se faire valoir, se trouve être le quotidien d'une grande majorité, car ce sont des comportements qui renient la réalité au profit d'un idéal à atteindre. Il est donc crucial de débusquer nos comportements incongrus qui se pratiquent dans l'inconscience de l'action compulsive. Pour cela, une attention aiguisée à ce qui se joue en soi est nécessaire, afin que la présence d'esprit puisse témoigner de ce qui se meut dans l'ombre. Une fois l'illusion débusquée, la réalité est rendue visible. La vie devient pragmatique et l'esprit rationnel. La perception est rendue claire et, à cause de l'absence de confusion, la simplicité est présente.